Bonjour. Aujourd'hui, nous allons, en compagnie d'un grand chef cuisinier, spécialiste des petites gâteries culinaires, vous donner la recette des petites cailles fourrées à la purée de boudin noir sur leur lit de gaufre. Mais avant de commencer, par mesure d'hygiène, je dois toujours me capoter le melon. Jean-Pierre, bonjour. Tu es chef créole. Quels sont les préliminaires? Il faut donc choisir de belles petites cailles pour en profiter au moins d'une par personne. Délicatement, déplumez les caillettes, ficelez les pattes et beurrez les moules. À gaufre, bien sûr. Badigeonnez-les de votre pinceau préalablement trempé dans de la matière grasse et enfournez les caillettes pour bien les faire transpirer. Car il faut bien les faire suer. Alors Jean-Pierre, il commence à faire très chaud sur le plateau. D'ailleurs, tiens, je me décapote le petit rond. Alors Jean-Pierre, c'est maintenant que tu déballes ton boudin noir. Car il ne faut pas qu'il soit trop lourd. Pendant ce temps, faites bouillir la marmite. De patates, bien sûr. Qui serviront pour votre purée. Les patates étant cuites, déposez votre boudin noir entre deux petites patates tramées et malaxez énergiquement votre manche. Des cuillères, bien sûr. Côté four, les caillettes sont déjà très chaudes et mouillent dans leur jus. C'est le moment de les fourrer de votre purée. Délicatement. Pour ne pas qu'elles éclatent, bien sûr. Déposez les caillettes encore toutes frémissantes sur le lit de gaufre. Je vous conseille de soigner les présentations en lâchant quelques mousses. Des chalotes grillées, bien sûr. Autour de l'assiette et pourquoi pas sur le lit. Alors Jean-Pierre, une question que tous nos convives se posent, quel est le prix de ce plat? Tu as raison de le préciser, ce plat convient à toutes les bourses. Demain, vendredi, jour du poisson, j'inviterai le chef de la célèbre auberge Les Trois Petits Cochons, qui sous la houppette de Jean-Pierre Coff, vous apprendra comment déguster une jeune reine bien fraîche. La sauce béchamel, bien sûr. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous demain midi pour un bon appétit, bien sûr.